Et salut les amis, on vient d'arriver donc du coup sur place à la Pixel D. Il y a déjà pas mal de monde, on est à 1h30 de l'ouverture et croyez-moi, il y a déjà énormément de personnes. Heureusement qu'il y a eu une pré-vente au niveau des tickets, là-dessus c'est vraiment bien. Une très très belle organisation, pareil au niveau du parking et tout, donc du coup c'est vraiment super. Donc là on est dans l'attente et donc du coup on se retrouve tout de suite pour commencer à voir des pépites de fou quoi. A tout de suite.
Bon bah voilà les petits potes, on est à la Pixel D. C'est vraiment incroyable. On trouve de tout, c'est extraordinaire. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, les puristes, pour les autres. En bref, il y en a vraiment. Vous pouvez vraiment trouver des pépites de fou. Les prix sont convenables, c'est pas comme si c'était 10 fois trop cher. Mais bon, voilà, quoi, c'est super sympa. Bon, on continue tout simplement notre petite visite. On n'a pas encore trouvé ce qu'on voulait chercher, mais bon, tout de suite. Bon voilà, petite trouvaille, 15€, ready to rumble, parfait état. Et du coup, ben voilà, c'est dans la boîte, c'est parti, on continue. Bon, et ben voilà, j'ai trouvé mon petit bonheur, une petite Saturne en boîte, 180 négocié à 160, donc du coup c'est parfait. Voilà, on continue bien évidemment les petites trouvailles. Bon, voilà, on a refait un petit détour, je vais peut-être vous faire voir ma gueule, ce sera peut-être plus simple. On a refait un petit détour, bon, la pluie s'est installée sur la Belgique, malheureusement. Bon, après, c'était prévu, donc du coup, bah forcément, c'est pas très très grave. On a vu quelques youtubeurs, voilà, ça fait surtout plaisir, quoi. Donc du coup, bah là, en fait, on a trouvé quelques pépites, je suis content, j'ai trouvé vraiment ce que je voulais pour l'instant, il me manque encore un jeu, et après, c'est vraiment du plus, quoi. Donc voilà, on va faire un petit débrief vite fait. En même temps, on a récupéré la caisse, d'ailleurs, que Henri m'avait prise pour pouvoir tout simplement réparer quelques jeux. Console, donc du coup, enfin, pas jeu, mais plus console. Donc voilà, je vais vous faire voir ça tout de suite. Et puis bah voilà, un petit débrief vite fait sur cette Pixel D. Voilà, la première heure, c'est vraiment blindé, je vous assure, c'est fou. C'est difficile d'accéder. Bref, on y va. Donc, hop, je tourne un petit peu. Pour vous faire voir, donc on a trouvé le Soul Calibur sur Dreamcast, donc 20€, il est vraiment super bêta, je vous assure, là, j'en ai trouvé un autre à 25, et là, enfin, il était vraiment dans un état dégueulasse, la boîte était cassée et tout, là on est vraiment sur du top, donc du coup 20€. Ready to Rumble, là, du coup c'est pareil, en excellent état, et donc du coup on a payé 15 balles, donc du coup c'est bien parce que bon, les prix sont pas non plus trop excessifs, même si voilà, certains jeux ça décolle de ouf. Et on a trouvé juste ici, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai pas envie de la bouger parce que j'ai pas envie de la griffer. Là, Sega Saturn en boîte, donc du coup elle était à 180, je l'ai négocié, donc du coup c'est passé. On est du coup sur une Saturn en boîte à 180, la boîte est plutôt propre, donc c'est pas non plus du 9-9, mais c'est vraiment une très très bonne affaire. On continue un petit peu avec du coup la boîte que m'a rendue notre ami Henri. Grosse dédicace d'ailleurs, c'est un réparateur sur tout ce qui est rétro gaming, donc du coup je vous mettrai
sa chaîne, enfin son lien Facebook du coup dans la description. Comme ça, du coup, vous pourrez aller faire un petit tour. Si vous avez des trucs à réparer, ben, n'hésitez pas. Moi, j'en ai profité, je lui ai amené et j'ai tout récupéré directement à la Pixel D. Donc, du coup, il y avait une carte mère de Master System 2. Voilà. Derrière, on a récupéré un petit peu des deux Game Gear que j'avais donné à Henri. Il y en a une qui est HS, donc du coup, ben, forcément, c'est mort. Donc non réparable, donc ce sera certainement pour des pièces, les boutons, enfin tout le reste. Et celle-ci, donc du coup, elle est ok, il y a juste l'écran à changer. Donc du coup, c'est une bonne nouvelle. Le transfo était HS, donc du coup, sur la MS2, donc du coup, bah forcément, c'est pour ça qu'il y avait un problème de signal. Il y avait un problème de couleur, ça a été réparé. Et puis, bah, pour la NES, qu'on voit juste en dessous, et ben bah, tout simplement, voilà, il y avait juste un gros nettoyage à faire. Et puis, je crois qu'il a dû changer un ou deux trucs, quoi. Mais bon, sinon, après, voilà, tout est fait, tout est bon. Donc du coup, bah, voilà, c'est parfait. Le jeu, bah, derrière, voilà, un petit jeu pour tester. Et puis, bah, voilà, on a tout ce qu'il faut, tout est ok. Donc on retourne sur la Pixel D. Et puis, bah voilà, on essaie de retrouver d'autres pépites. A tout de suite. En plus, les prix sont vraiment pas très très chers.
des trucs sympas, avec des bons petits jeux. Je cherche Fester Quest sur NES. J'ai un peu de mal à le trouver. D'ailleurs, je remercie la personne de ce stand qui vient de me vendre une coque de Game Boy d'origine pour 5 balles. Et croyez-moi, c'est une bonne affaire. Une originale, c'est à ce prix-là, c'est vraiment pas cher. Allez, on continue. C'est parti.
excusez-moi. X-Files sur PlayStation 1. Il est là tout au bout. Combien vous faites? Bon, et ben voilà, après pas mal de temps de recherche, j'ai enfin trouvé un des derniers jeux que je voulais. X-Files. Négocié, il était à 20, j'ai eu à 14. Donc, super d'affaires. Voilà. On continue et après, du coup, on va devoir reprendre la route. Voilà. A tout de suite. Et yo les amis, on se retrouve pour un débrief de la Pixel D. C'était vraiment incroyable, vraiment big up tout simplement à toute l'organisation de la Pixel D. C'était vraiment exceptionnel. Franchement, vous m'avez fait rêver quoi. J'avais des yeux, ça brillait, ça pétillait comme un gamin de 5 ans. Franchement, j'ai vraiment adoré ça quoi. Merci beaucoup. Deuxième petite dédicace, on va la faire à Henri Répartout. Voilà, vous avez pu apercevoir dans deux vidéos avec Rétro Jeu. Voilà, Henri qui, comme son nom de scène, Henri Répartout, Répartout ce qui est rétro gaming. Voilà, donc du coup, vraiment un grand merci à lui. Voilà, il m'a fait de la réparation sur de la Game Gear, sur de la NES, sur de la MS2. Enfin bref, voilà, gros merci à lui. Donc voilà, c'était le petit coucou. D'ailleurs, vous retrouvez tout simplement dans la description son Facebook. Si vous voulez le contacter pour de la réparation, bah, n'hésitez pas. Voilà, donc on va faire un petit débrief de ce qu'on a pris, tout simplement ce qu'on a pu acheter directement à la Pixel D. Voilà, j'ai acheté, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit ça peut être sympa. Voilà, j'ai payé 1€ pièce. Voilà, deux médailles de collection. Du jeu Castle of Earth simplement sur Nintendo Switch. Donc il y en avait deux. Voilà, donc il y avait celle-ci qui est numérotée, donc celle-ci qui est en argent, qui est nommée numérotée 36 sur 3500. Et on a tout simplement la deuxième qui est notée donc 475 sur 500. Voilà, donc c'est celle-ci, c'est la deuxième. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc 1€ pièce. Bon, bah, j'ai pris, je vais pas chercher à comprendre. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Voilà, j'ai pas récupéré le jeu que je voulais récupérer, tout simplement, c'est Street of Rage. Malheureusement, j'ai pas trouvé, ou alors il est parti très très rapidement. Voilà, fallait compter entre 30 et 40 euros. Malheureusement, il m'est passé sur le nez. Voilà, je me suis rabattu sur un petit Mega Game 2, voilà, histoire de pouvoir jouer en attendant. Voilà, donc du coup, on a The Revenge of Shinobi dessus, Street of Rage et Golden Axe. Voilà, donc c'est pas grave, après j'ai récupéré ça. C'est parti remise pour la convention de l'année prochaine. La priorité, ce sera tout simplement de récupérer un Golden Axe. Voilà. On va continuer avec tous les petits trucs qu'on a pu récupérer. On a récupéré une manette Under Control pour 1€ pièce. D'ailleurs, dans le même bac que les pièces que vous avez vues tout à l'heure. Une manette Super NES où il manque le bouton Select, du coup, pour 3€. Donc ça, avec les deux, forcément, on en fait une. Donc ça, c'est très très bien. Je vais mettre ça là-bas. Hop là. Ça risque rien, je vous rassure. Le petit Pokémon Or, négocié, du coup, il était à 20. On l'a chopé pour, du coup, 18€. Après, on a pu acheter une coque de Game Boy. Coque de Game Boy qui va me servir pour une Game Boy que j'avais réparée. Et du coup, j'avais deux lignes horizontales que j'avais pas enlevées. Malheureusement, du coup, on sera obligé de mettre un écran IPS. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas aller dans la fantaisie, vu qu'on met un écran qui sera pas original. Donc, pourquoi pas prendre une coque noire. Donc, du coup, elle était à 10, négociée à 5. D'ailleurs, je remercie le vendeur, parce qu'il m'a dit, si vous la prenez, je vous la fais à 5 direct. Donc, du coup, je vais pas chercher à comprendre, j'ai pris tout de suite. L'un des jeux que je voulais absolument dans cette convention, c'est tout simplement Fester Quest sur NES. Donc, du coup, j'ai pris tout de suite. Voilà, super jeu, j'adore. J'ai passé des heures et des heures quand j'étais gamin. Voilà, 15€. Donc, du coup, j'ai pris tout de suite. D'ailleurs, il me reste un jeu que j'ai pas pu avoir. Il y a Street of Rage. Et il y a aussi Jackie Chan sur NES que j'ai pas réussi à avoir en version PAL. Donc j'étais un peu dégoûté, mais bon. Apparemment, il y avait très très peu, donc du coup, je regrette pas, c'est pas grave, je le trouverai. Pas de soucis. Sega Saturn, j'ai pris Troopin' Ball. Pareil, j'ai passé des heures et des heures sur ce jeu, donc du coup, quand j'étais gamin.
Donc, bah, forcément, j'ai repris 8 euros. Voilà. J'avais trouvé deux vendeurs. J'ai pris celui qui avait la plus belle qualité. De 10, on est passé à 8. Et voilà. Donc, du coup, tout le monde est content. Donc, du coup, on prend, on achète. Après, au niveau des jeux vidéo, encore une fois, The X-Files, super jeu. J'adore déjà X-Files de base. Donc, bah, j'ai un peu galéré pour le trouver. J'en ai trouvé qu'un seul. Donc, du coup, je l'ai pris tout de suite. Voilà. Donc 4 CD, la notice, tous les CD sont dans un état impeccable, donc du coup, ben, il était à 20, c'est parti du coup sur 15, et il me restait plus de monnaie, parce que du coup après c'était un billet de 50, du coup le monsieur me dit, bon c'est pas grave, donnez-moi 14, et donc du coup, bon, j'ai gagné 1 euro dessus, voilà, ça fait plaisir. Après, les deux jeux Dreamcast que j'ai pu trouver, et que j'adore, Let's Get Ready to Rumble. Voilà, ça c'est Ready to Rumble, c'est vraiment un jeu super. Voilà, donc du coup parfait, 15 euros. Voilà, complet, vraiment dans un état super quoi. Et Soul Calibur, super jeu de baston que j'adore avec Ivy, les Arman, enfin bref, toute la clique. Et vraiment super jeu. Voilà, donc 20 balles. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris. Voilà, j'ai dit amen, et j'ai pris tout de suite. Voilà. Petit aparté sur un transfo de MS2, voilà, donc du coup à 10 euros, négocié à 8, bah, j'ai pris tout de suite, hein, forcément, du coup il m'en fallait un pour remettre en boîte, sur ma MS2 en boîte, donc du coup bah, j'ai dit bah, pourquoi pas. Et la pièce maîtresse tout simplement de cette Pixel D, c'est tout simplement la Sega Saturn que j'ai pu trouver du coup en boîte, sur la version petit modèle, complète. Le seul truc qui manquait à l'intérieur, c'est tout simplement le câble d'alimentation, mais c'est exactement le même que sur la Dreamcast, que sur la PS3 deuxième version. Donc c'est vraiment des câbles basiques qui coûtent vraiment que dalle quoi. Je suis sûr sur un poste radio vous avez ça aussi, donc du coup bah je l'ai pris tout de suite. Donc ma petite Saturn, voilà, donc du coup je suis content. Il ne me reste plus qu'à acheter une Crystal Box et donc du coup bah ça ira dans la collecte. Alors, en attendant, bien évidemment, on va la protéger. Donc voilà, je suis vraiment super fier d'avoir trouvé cette Saturn. Et elle était à 180, négociée 160. Voilà, donc je trouve que c'est un prix vraiment très très raisonnable. Et un bon prix. Donc voilà, donc bah écoutez les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette grosse vidéo sur la Pixel D. Merci aussi à FF Viman, du coup, si, parce que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, qui dézone des Super NES. Voilà, il n'a pas le temps de me faire la mienne, mais il m'a dit c'est pas grave, je vous l'envoie, je te la ferai. Voilà, donc surtout si vous faites dézoner, bah, n'hésitez pas à lui donner quand même un petit truc. Quoi. Je pense que c'est un petit peu normal parce que du coup, il achète son matos. Je dis ça parce que du coup, j'ai vu deux jeunes un petit peu, on va dire, c'est pas mal poli, mais bon, c'est une question d'éducation. Voilà, ils ont vu gratuit, ils se sont dit, bah tiens, hop, on récupère gratuit et on se casse. Donc du coup, je les ai vus repartir, ils avaient acheté la blinde de trucs, mais par contre, ils n'ont pas su donner un petit bif du coup à ce mec qui fait un boulot extraordinaire. Donc du coup, ça m'a foutu un peu les boules, donc je voulais vraiment en parler. Donc surtout, partez pas sur ce point où vous dites, oh, voilà, c'est gratuit, donc du coup, le mec, il bosse quand même, il achète le matos. Donc du coup, s'il vous le fait, ben, donnez-lui un truc, quoi. Je sais pas, 5-10 balles, c'est bon, quoi. C'est le minimum, vu le temps qui passe et le matos qui paye. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule sur... Sur limite la convention, c'est le seul truc que j'ai, point négatif que j'ai trouvé, même si chez lui, que lui, il s'en fout réellement. Quoi. Donc voilà, je vous laisse bien évidemment sur cette vidéo extraordinaire. On se dit bien évidemment à bientôt pour une prochaine vidéo brocante ou pourquoi pas une autre vidéo, je sais pas, on verra bien. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis bah, je vous dis à bientôt, c'était Tonton. Salut, salut!